Oyez, 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 jeunes gens, ici Ayao sur FF16, sur PS5. Donc là, je viens de débloquer un nouveau contrat d'élite de rang A. Donc c'est la première fois que j'ai du rang A. Et donc on voit en bas de l'écran, il rapporte 30 points de gloire et 16 200 gil. Ok, donc il se trouve à Rosalia, la falaise de Oberon. Ouais, je crois voir c'est où. Je crois voir c'est où. Je crois qu'il faudrait que j'aille là. Et après, il faut ouvrir la map et voir les différents noms des différentes, on va dire, des. Je sais pas si on peut appeler ça des communes. Alors là, on a les gens chers. Ouais, c'est là, c'est bien là, ok. Ouais, bah écoute, je vais me TP là. Alors, ouais, est-ce que je prends sandwich ou est-ce que je. Ouais, parce que ça fait quand même une sacrée trotte. Donc, soit je me TP ici et je marche comme ça, ou soit je me TP ici et je monte. Bon, allez, pour plus de fun, on va se TP ici. Sachant que j'ai débloqué les pouvoirs du titan. Mais j'ai pas testé encore. Je comptais tester, mais là je me dis bon, une cible de rang A, je vais jouer avec les compétences que j'ai l'habitude d'utiliser entre Ramu, Garuda et Ifrit. Je vais rester sur ça. Et j'aurai tout le temps d'utiliser le Titan. Hein. Après, c'est vrai que contre ce genre d'ennemis-là, c'est vrai que je peux tester au moins contre eux. Bon, ils sont niveau 24 hein, ici, quand même. Il est trop loin. Donc je vais rester sur les compétences que j'ai l'habitude d'utiliser. Pas changé, ça l'a pas tué. Ça va le tuer, ça. Ouais, ça l'a tué. Ça, elle est pas mal hein, cette mine hein, finalement. En fait, c'est voilà, je pose un d'électricité là sur le sol. Quand je tape dessus, ça résonne et ça tape les ennemis aux alentours. Et ça fait des dégâts, mais surtout ce qui est important, c'est que ça augmente la jauge de stun. Et assez rapidement quand même. Ah, j'ai plus du tout de potion, hein. Ça par contre. Ouais, je devrais peut-être en acheter quand même. Hein. L'électricité, ça marche bien. Ça marche super bien dans le jeu. Donc là, ouais, je vais jouer avec ce dont j'ai l'habitude de jouer pour l'instant. Et je testerai les pouvoirs du titan plus tard. Moi, je suis niveau 31, on le voit en haut à gauche de l'écran. Et là, c'est des ennemis de niveau 24. Hein. Donc, des ennemis en se baladant comme ça, c'est pour l'instant le niveau le plus élevé que j'ai eu. Bon, après, avec une potion, là, c'est peut-être pas une bonne idée quand même. Y avait pas une échoppe là? Non, il n'y en avait pas. Ouais. Est-ce qu'il y en a une là? Ouais, mais il faudrait que je me TP.
Je vais retourner ici, en fait, tout simplement. Voilà, je vais retourner ici. Et tu vois, j'ai juste à aller au monolithe qui est juste à côté. Hein. Parce que c'est vrai que le combat contre Hugo, c'est vrai qu'il était, il était assez épique. Alors, je l'ai first try. De toute façon, pour l'instant, le jeu, je suis mort qu'une seule fois. Hein. Le jeu est très facile. Mais c'est vrai que il a nécessité. Il m'a nécessité quand même de consommer beaucoup de potions. Voilà. Alors on profite des temps de chargement de la PS5. Tandis qu'il y a des insectes là chez moi là, c'est vrai qu'il fait bon là dehors là. Et comme j'ai mis la lumière là, ils sont venus, ils ont squatté. Ouais, bah vas-y, je vais remonter hein, par là. Hein. Je vais remonter par là. Donc là, eux, ils attaquent pas. Hein. Il y a plein d'animaux qui n'attaquent pas, notamment ces chocobos-là. Ils se défendent si je les attaque. Alors la normale, j'aime bien me battre hein, pour un oui, pour un non, pour avoir des points de PC, mais là, j'ai quand même envie de. Quand je les tue avec une compétence, ça me donne un meilleur score. Et si j'ai un meilleur score, bah forcément j'ai. Je vais en profiter pendant qu'il dort. Hein. Donc les sentences à gauche, hein, 9 c'est le maximum. Là, il m'a donné 72 points de compétence, c'est bien. Alors, j'ai envie d'imaginer que l'ennemi peut se trouver ici, tu vois. On va voir ça. J'ai pas mon pouvoir. Donc il faudrait que je redescende comme ça. Parce que les cibles, faut les chercher. Après, c'est pas bien compliqué, hein, puisque les maps sont designées toutes de la même manière. C'est assez plat et vide. Donc ça, c'est pas un problème. Donc c'est vrai qu'ici, il y a une stèle, hein, où il n'y a rien, il n'y a pas d'interaction possible. Enfin bref, donc ils sont faciles à trouver. Mais au moins ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut trouver les cibles sans passer par le tableau que j'ai filmé au début en fait. Parce que les ennemis, ils sont là quoi. On peut le voir au loin.
Et après, ça déclenche une petite cutscene, une petite introduction. Alors, attention, parce que là, je ne suis plus au bureau, là. Alors, j'ai quand même envie d'aller explorer là-bas parce que c'est pas hyper précis. Hein. C'est-à-dire, tu sais, il dit falaise ou bureau, mais ça se trouve, c'est comment dire, c'est frontalier avec une autre zone, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais, ben voilà, tu vois. Voilà. Le prince flan. Il est flippant son nom. Ok, bah c'est parti. J'ai eu un boss à peu près comme ça. Ah, niveau 38, hein. Mal, hein, le salaud. J'ai pas bien compris ce qu'il a fait avec sa terre. Ouais, donc ça, ouais, c'est plusieurs explosions. Enchaîne les sorts. Profiter pour me guérir, voilà. Ah, il m'a défoncé. Foudre, alors attention à la foudre, parce que c'est souvent très dangereux dans les finales.
je fais attention aux magies, voilà. Voilà, j'ai stoppé son attaque. J'ai pas esquivé ça. Oh, il a pas pris. Et voilà, c'est fait. Bon, tu vois, j'ai utilisé toutes mes potions. Ok, ah, et donc quand même, il donne 5200 XP quand même. 95 points de compétences. Donc là, je passe niveau 32, forcément. Ouais, 16000 giles. Ouais, et 30... Ah, ben en plus, le mucus visqueux, c'est exactement ce qu'il me fallait pour fabriquer. Je crois c'est un bracelet, je crois. Ouais. Donc bon, comme c'était une cible de rang A, forcément là j'ai un peu plus galéré, ce qui est normal, mais c'est quand même first try. Et là en fait, là ce qui m'a looté, donc ça va me servir pour pouvoir me fabriquer, il me semble que c'est un bracelet ou un collier. Bon ben voilà, parfait, moisson parfaite.